Salut à tous. Allez, aujourd'hui, je t'apprends un tour de magie à faire avec 3 spectateurs. Tu prends le jeu de cartes, tu donnes à un des spectateurs pour qu'il le mélange. Quand c'est fait, tu récupères le jeu et là, tu vas faire choisir une carte au premier spectateur, celle-là par exemple. Le deuxième spectateur, celle-là par exemple. Et le troisième, lui, choisira après. Les deux premières cartes, on va les perdre dans le jeu. Donc on prend la première carte, comme ça, et on la perd vraiment n'importe où dans le jeu. On coupe plusieurs fois, comme ça. La deuxième carte, pareil, hop, on va la perdre comme ça dans le jeu. Et on va pouvoir aussi mélanger un petit coup tout ça pour être sûr que les cartes sont bien perdues. Voilà. Seulement maintenant, on va demander au troisième spectateur de toucher une carte n'importe où dans le jeu. Par exemple, celle-là, ici, le valet de carreau. Alors, ce qui est dingue, c'est que le troisième spectateur a choisi une carte vraiment n'importe où dans le jeu. Il n'y a pas de forçage, d'accord? Mais si on regarde bien le jeu, sa carte se trouve entre deux cartes. Pas n'importe laquelle. Les cartes choisies par le premier et le deuxième spectateur. Alors, comment ça marche? Déjà, le jeu de cartes, on peut le donner à mélanger, il n'y a pas de préparation. Donc là, le spectateur peut se faire plaisir, il peut mélanger le jeu de cartes. On va faire choisir une carte au premier spectateur, celle-là par exemple. D'accord? Donc là, l'as de carreau. Celle-là aussi, hop, au deuxième spectateur, le 10 de cœur. Alors maintenant, on va les perdre dans le jeu, mais on va faire en sorte qu'il y en ait une au-dessus et une en dessous. Alors, la première carte par exemple, regarde, je prends ici un paquet dans la main droite. Je place la carte du spectateur ici et on va mettre les cartes par-dessus en faisant un mélange hindou. Alors un mélange hindou, c'est ça, le paquet je l'ai en main gauche. Je viens prendre quelques cartes au-dessus de ce paquet et je les bascule dans la main droite, comme ça. Tout simplement. Ok? Donc là, on a déjà un petit paquet dans la main. On vient de mettre la carte du spectateur ici. Et là, regardez. Hop, je viens placer mon petit doigt ici au-dessus de la carte du spectateur. Et je viens faire le mélange hindou. Hop, regardez. Mon petit doigt est toujours là. Donc je sépare bien le petit paquet avec la carte du spectateur. D'accord, des autres cartes. Je viens couper le paquet supérieur. Une fois, je pose. Deux fois, je pose. Et le reste du jeu, par-dessus. Et là, je viens placer la carte choisie au-dessus du jeu. Pour la deuxième, je prends le jeu de cartes ici. Je le tiens comme ça, en main gauche. D'accord. Je coupe ici avec mon index. Je récupère avec la main droite. Je prends la carte du deuxième spectateur, je la pose sur ce paquet et là, pareil, je mets mon petit doigt. Je place le reste du jeu par-dessus et je viens couper en deux tout ça. En fin de compte, je viens couper au niveau, ici, de mon petit doigt. Je prends le paquet, je pose le reste par-dessus. Et là, j'ai bien une carte au-dessus du jeu et une carte en dessous du jeu. Le troisième spectateur va toucher une carte, par exemple celle-là. Alors regardez ce que je vais faire, parce que le but du jeu maintenant c'est de placer ces deux cartes là avec la carte du troisième spectateur. Donc toutes les cartes qui se trouvent ici avant la carte choisie par le troisième spectateur, qui se trouve ici chez moi en main gauche, regardez ce que je fais, je récupère cette carte ici. Donc toutes les cartes là, regardez, je tourne la main gauche pour récupérer la carte choisie par le troisième spectateur. Et le reste du jeu ici, en main droite, je pose sur hop, la carte choisie par le troisième spectateur. En faisant ça, je viens de placer les cartes choisies par le premier et deuxième spectateur ici. Hop. Je recommence. Donc les cartes sont là et là, d'accord? Les deux premières cartes, une au-dessus, une en dessous. Le spectateur, le troisième choisit une carte, celle-là par exemple, je la décale. Je tourne ici tout le paquet de la main gauche pour récupérer la carte choisie par le troisième spectateur. Et tout ce qui est en main droite, je pose par-dessus. J'étale le jeu de cartes, je montre que le troisième spectateur a choisi une carte qui se trouve ici entre deux cartes. Les cartes choisies par le premier et le deuxième spectateur.